Histoire de Babar, le petit éléphant. Texte de Jean de Brunhoff, musique de Francis Poulenc. Au bout de quelques jours, bien fatigué, il arrive près d'une ville. Il est très étonné parce que c'est la première fois qu'il voit tant de maisons. Que de choses nouvelles, mais ces belles autos et ces autobus. Pourtant, ce qui intéresse le plus Babar, ce sont deux messieurs qu'il rencontre dans la rue. Il pense, vraiment, ils sont très bien habillés. Je voudrais bien avoir aussi un beau costume. Mais comment faire? Heureusement, une vieille dame très riche, qui aimait beaucoup les petits éléphants, comprend en le regardant qu'il a envie d'un bel habit. Comme elle aime faire plaisir, elle lui donne son porte-monnaie. Babar lui dit, « Merci, madame. » Maintenant, Babar habite chez la vieille dame. Le matin, avec elle, il fait de la gymnastique. Ensuite, il prend un bon bain. Tous les jours, Babar se promène en auto. C'est la vieille dame qui l'a lui acheté. Elle lui donne tout ce qu'il veut. Pourtant, Babar n'est pas tout à fait heureux, car il ne peut plus jouer dans la grande forêt avec ses petits cousins et ses amis les singes. Souvent à la fenêtre, il rêve en se souvenant de son enfance et il pleure en se rappelant sa maman.